Depuis sa formation en 1997, Dire en Grès est un groupe qui a su constamment varier sa musicalité en piochant dans de nombreux genres comme le hardcore, le new metal, le metalcore, le visual kei et beaucoup d'autres. Si on voulait le caser dans un genre plus large, ce serait probablement le metal alternatif qui se rapprocherait le plus du style de la formation. Découvrons aujourd'hui Those in Green, un single sorti en 2007 et qui a donné lieu à une tournée mondiale éponyme la même année. Le groupe se sert ici d'inspirations orientales qui transparaissent tout à travers le morceau. Dans l'introduction, vous avez par exemple pu entendre un tamboura, un bourdon harmonique typique de la musique classique indienne. La composition va également se servir de quarts de ton, comme par exemple dans l'accompagnement à la guitare, qui va nettement dévier de la gamme tempérée et parfois même sonner carrément accordé différemment que les autres instruments du groupe. Nous retrouvons des sonorités orientales avec un instrument à cordes pincées qui intervient dans l'accompagnement. Mais Dire en Grès n'en reste pas là. Kyo, le chanteur du groupe, va même imiter pendant un instant un chant récitatif indien et ainsi faire preuve de sa grande maîtrise vocale. Il paraît d'ailleurs évident qu'un des principaux atouts de Dire en Grès soit la technique vocale et l'ambitus impressionnante de Kyo. Rien que dans Those in Green, on l'entendra chanter en voix de tête, dans les très graves comme dans les très aigus, avec un ambitus de presque 2 octaves, en voix de poitrine plus volumineuse ou avec beaucoup d'air. On l'entendra également crier de nombreuses manières très différentes, au point qu'il paraît difficile à croire qu'il s'agisse toujours de la même personne. Dès la sortie de Those in Green, Kyo a déclaré vouloir rejeter les premiers albums du groupe. Musicalement, le changement paraît déjà évident, mais même au niveau de la réalisation du clip, on peut reconnaître cette tendance. Les 5 membres de Dire en Grès restent cachés dans l'ombre pendant la totalité du clip et semblent ainsi renier leur glorieux passé visual kei. Le côté horrifique et cru tranche radicalement avec leur premier clip moderne et abstrait, leurs costumes brillants et leurs couleurs de cheveux excentriques. Notez d'ailleurs que les dessins employés dans le clip proviennent de L'École emportée, un manga d'horreur d'Umezo Kazuo. Finalement, la fin du morceau souligne elle aussi ce côté horrifique, avec comme un arrière-goût musical qui reste dans l'oreille et qui, par son contraste avec le reste de la chanson, se grave irrémédiablement dans la mémoire de l'auditeur.